pas vous gêner, c'est tout. J'ai vu d'autres fresques troublantes. Ça commence à prendre un sens. Elles racontent quelque chose. Bah, si c'est le cas, ça m'échappe. Le tarot raconte le voyage d'un fou. Montre-moi ce que tu as trouvé. Je te dirai ce qu'il te manque. Tiens. Il te manque encore deux arcanes. Le jugement et le diable. Je suppose qu'elles sont liées à un tournant dans ta vie. Un moment qui se produira bientôt. Tu peux m'en dire plus sur ce fou? Le fou, c'est toi et Silverhand. Vous avez fait un long chemin ensemble, découvert votre potentiel. Et on va où? Votre destination, c'est le monde, le dernier arcane. Vous avez tous les deux livré une guerre contre le monde, alors il y a deux possibilités. Remporter la victoire ou faire la paix. On pourrait aussi perdre cette guerre. Oui. C'est vrai, malheureusement. Je préférerais pas tomber sur le diable. Il m'inspire pas. C'est la carte des désirs enfouis, primitifs, mais aussi de la volonté de survivre. Ça m'a pas l'air si mal. Il représente aussi un faux monde. Le piège que te tendent ces désirs. Ce jugement, il indique quoi ? Un avenir possible. Une rédemption, une transition, un éveil. L'ange avec la trompette symbolise la fin d'une époque et l'appel de la renaissance. Un nouveau commencement. Merci. Même si ça m'avance pas trop. Tu comprendras le moment venu. Je peux pas tout t'expliquer. Tout ce que le tarot m'indique, c'est que quatre chemins peuvent te conduire au monde. C'est-à-dire ? La dernière partie du voyage traverse le soleil, l'étoile, la tempérance ou le diable. Je pourrais mourir avant d'aller aussi loin. Arrête, tu te débrouilleras pour que ça n'arrive pas. Tiens, c'est tout ce que je peux faire pour t'aider. Bonne chance, V. Quelle que soit la route que tu choisiras. Est-ce que ça roule ? Entre. Salut, V. Contente de te voir. V, salut. Viens qu'on pose un peu. Non. Si je suis dans ce merdier, c'est parce que c'est toi qui m'y as mise. J'ai tout perdu. Tu le sais. Et c'est ta faute. Tout net. C'est à toi de résoudre tes problèmes et de nettoyer ta merde. Va te faire foutre. Et fais gaffe avec qui tu traites.
Rogue, il faut que je te parle. Non, c'est bon. C'est étrange. Ta tête me dit rien. T'es qui? Je m'appelle V. Et qu'est-ce que tu me veux, V? Après toutes ces années, c'est vraiment elle. Cette putain de Rogue qui se la coule douce dans un canapé à l'Afterlife. Essaie pas de l'embrouiller. Cette elle nana... peut lire en toi comme dans... Pourquoi elle était aussi vénère? Pourquoi tu vas pas lui demander? Elle est peut-être encore en train de pleurnicher dans un coin. J'ai besoin de tes services. Je dois trouver un type. Ah ouais? Anders Hellman, un ingénieur haut placé. Il bossait pour Arasaka. Une milliseconde. Anders Hellman, tu peux me le localiser? Merci. T'emballe pas. Primo, mon aide a un prix. Et ensuite, Dexter DeShawn, Jackie Wells, T-Bug. Tu fais parler de toi, V. Et tu laisses un paquet de cadavres derrière toi. La mort te suit. Tu dois mettre ça sur le compte de la malchance. Ah, je retrouve bien là son côté casse-couille. Parle-lui de la tour Arasaka. Quand ils m'ont abattu sous ses yeux. Connaissez les risques. Il peut arriver tout un tas de trucs. Un tas de gens. Même au meilleur. Même à toi, Rogue. La tour Arasaka, tu te souviens? Qui t'a perdu ce jour-là? Johnny, quelque chose? Ah, t'as mené ta petite enquête, évidemment. Mais comme je dis toujours, les sentiments, on s'en tape. C'est purement professionnel. Si tu veux mon aide, allons, je les ai dit. Tu vois? Ah, et si j'ai pas assez? C'est bonne journée et casse-toi, c'est ça? Non, ce serait plutôt reviens quand t'auras le fric. C'est comme ça que ça marche. À bientôt. À très bientôt. Tu sais où me trouver? Ça devrait suffire. Repasse me voir demain. On discutera. Du boulot, ça vous intéresse? Je viens voir Rogue. Elle m'attend. Salut, Rogue, c'est encore moi. Du nouveau sur Hellman? Deux verres. Pousse-toi de là. Assieds-toi. J'espère que tu l'as trouvé. Une détermination comme ça, j'en vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Laisse la bouteille. Vas-y, sers-toi un verre. À ta santé. À la tienne, petite. T'en auras besoin. Merci, Inix. Reine de l'Afterlife. Qui l'eût cru? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Tu crois qu'elle va m'aider? La Rogue que je connaissais était une connasse insensible. Mais elle se fie à son instinct. J'ai l'impression qu'elle pense que t'as ce qu'il faut. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ton Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Tianti. Une filiale de Kang Tao, une corpo chinoise. Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends? Il le protège sûrement d'Arasaka. Il devait travailler sur un projet top secret. D'Arasaka et de toutes les méga-corpos qui veulent savoir ce qu'il sait. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Hellman est dans l'un d'eux? C'est ça? Mais lequel? Regarde la description de celui-là. Une seule navie, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là...
Emmett, le chargement de la Navy. Déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Oh. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP, transféré depuis Tianti. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. Toutes ces infos sont confidentielles. T'as juste claqué des doigts et c'est tombé comme ça. Je sais où chercher et sur qui faire pression. Et puis, je déteste perdre du temps. Surtout avec des questions stupides. Et c'est quoi la mauvaise ? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde, tout ça, c'est l'espace aérien de Night City. Impossible d'attaquer la Navy sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la Navy de travers, leurs mignons nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. Je dirais que c'est ton jour de chance. Une zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Ça va déjà être la merde, rien que pour suivre cette Navy. Je connais. J'ai vu voler d'anciens modèles pendant la guerre. Ils sont énormes, mais rapides. Et ce modèle-là a des défenses next-gen. On le tirera pas comme ça, même avec du gros calibre. Aucune chance que ça marche. C'est pas une question de puissance de feu. Il y a d'autres moyens et des gens qui les connaissent. Ou qui peuvent improviser dans cette situation. Un autochtone, tu connais des mères qui collent au profil ? Une seule. Madame Palmer. Elle peut plus compter sur son clan, mais c'est une vraie nomade. Elle connaît ce coin, et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée. C'est pas très engageant. Ni pour elle, ni pour moi. Ah, il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. C'est ton OP. À toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment, V. Bizarre. Les nomades ont tendance à éviter la ville, et ceux qui y vivent d'habitude. Ça dépend des clans, de leurs connexions, et de la merde dans laquelle ils sont. Mais t'as raison, les Aldecaldos refusent de faire affaire avec la ville en général. Panam voit les choses différemment. Ouais, elle voit tout différemment, on dirait. Si son clan l'a banni, elle doit pas être fiable. Désolée, je vais pas payer pour avoir des renforts pareils. C'est elle qui s'est tirée, en fait. Elle m'a expliqué que c'était pour la famille, l'avenir, les idéaux nomades, blablabla. J'ai décroché assez rapidement. Je croyais que tu préférais savoir à qui t'avais affaire. Oh, j'en sais suffisamment. Quand les gens se mettent à parler d'idéaux, il y a toujours autre chose derrière. Le pouvoir, en général. Mais heureusement, c'est pas mes affaires. Ni Étienne, d'ailleurs. Panam est compétente et elle t'aidera. T'as pas besoin d'en savoir plus. Pourquoi Panam devrait m'aider ? Elle est où, l'arnaque ? Hein ? Panam transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son jour. Il y a eu un problème ? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Panam fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon, je veux bien essayer de l'aider. Mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Je sais. Attends, tu le sais, mais t'as rien dit à Panam. Tu veux jouer au chat et à la souris avec moi aussi ? Je m'efforce de repérer les opportunités qui se présentent. Et de les saisir. Si je lui avais tout raconté, à ton avis, elle aurait fait quoi ? Elle aurait pris son crasheur et foncé dans le tas. On sait bien comment ça se serait terminé. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est perdre des gens bien pour ce genre de conneries. Ah, je vois. Je suis sa seule option, et elle la mienne. Deux pions sur ton échiquier. T'es plutôt futé pour un pion. D'accord. Dis-moi ce que tu sais. Rocky Ridge, une ville fantôme en dehors de Night City. Panam sait où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise, oubliez pas la bagnole. Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ah, enfin. Ok, ça me va. Merci. Bonne chance. Hey,
Du boulot, ça vous intéresse? Quel genre? Transport de marchandises d'un point A à un point B. Vite fait, bien fait. Intéressé? Vous devriez d'abord voir ça avec un fixeur. J'emmerde les intermédiaires, c'est des pompes à fric. Avec cette attitude, vous irez pas loin dans ce business. J'ai pas besoin de conseils, juste d'un transporteur. Vous prenez le job ou pas? Je vous écoute. C'est tout con. Vous allez sur le front de mer de Kabuki, vous récupérez le colis, vous m'appelez, je vous dis comment le livrer, et voilà. Mmh. Ouais, et pour ma paye? Ne vous inquiétez pas, vous aurez droit à un bonus, de l'import hors taxe. Hors taxe et hors détail aussi. Oui, mais ça reste une offre équitable. Un boulot facile et bien payé. Alors, vous le prenez? Ouais, ok, ça marche. Parfait, je savais bien qu'on trouvait un accord. Allez sur le front de mer de Kabuki et cherchez un frigo avec « Nos futurs » écrit dessus. Quand vous l'aurez trouvé, récupérez son contenu et appelez-moi pour la suite des instructions. Mmh. À plus alors. Hey, salut. Salut, V. Content de te voir. Salut. Je vais gerber. Oh merde! Il est mal en point, mais... en vie. Je me demande bien ce que va me dire Dennis. Alors, ça y est? Vous avez le colis? Vous auriez pu me dire que votre colis, c'était un mec. Si ça avait été un cajot de banane, je l'aurais mis à la poste, Einstein. Alors, c'est qui? L'ambassadeur du Mexique. Sérieux, on s'en fout de savoir qui c'est. Je vous ai préparé une bagnole. Mettez le type dans le coffre et allez à Northside. L'adresse est dans le GPS. Ok. Encore une chose. Faites gaffe au Tiger. Il recherche activement votre nouvel ami. Attendez, quoi? Oh, il a raccroché ce gros con.
Putain, manquait plus que ça. Ça me fait pas rire. Thank you.
Voilà, c'est fait. Je vois ça. Bien joué, c'est du beau boulot. Ça va, vous tenez le coup, Haruyoshi ? Dennis me donne espoir. Ça aurait été sympa de me prévenir pour les Tigers. Je me doutais que vous alliez gérer. Et j'avais vu juste, puisque vous êtes là. Alors, c'est qui ce type ? Il va vous raconter son histoire. Haruyoshi ? Au Japon, neurochirurgien. Meilleur de tous. Bon instinct. Un jour, chef Tiger Claws a besoin d'opération. Mais chef meurt sur table. Tiger Claws très en colère. Je cache dans bateau, nage jusqu'à Amérique, ici, Dennis sauve moi. Mais il y a secret. Je tuais chef Tiger Claws exprès. Meilleur chirurgien du monde. Fais pas erreur. C'est très émouvant tout ça, mais vous m'avez pas encore payé. Je sais. Tenez, en espérant que cette lame vous sera utile. Allez dans l'autre bogo salle là, y'a pas de nous.
Ah, la star du moment. Content de te voir. Bon, et maintenant? Et maintenant, qu'elle me demande? Le combat pour le titre. Tu vas affronter Razor Hughes. Tu as entendu parler de lui? J'ai dû voir des affiches. Un boxeur pro, c'est ça? C'est LE boxeur. Tu vivais au fond d'une grotte ou quoi? J'aurais jamais cru le voir ici, vu que c'est un athlète célèbre avec de grands sponsors dans les corpos. Et voilà que son agent nous contacte et nous dit que ce serait bon pour son image. Razor qui revient à ses racines pour prouver qu'il reste un gamin de l'armée. J'ai une chance au moins. Ah, bonne question. T'es doué, très doué même. Mais ce gars-là, c'est une machine. Fibre de carbone, os en titane, articulation hydraulique et les meilleurs bio-ingénieurs de Night City pour optimiser tout ça. Je sais pas. Victor aura peut-être des conseils à te donner. Vic est là. Attends, tu crois qu'il manquerait une occasion pareille? Bon, écoute, je vais être franc. Ça s'annonce mal pour toi. Mais c'est peut-être pas plus mal, tu crois pas? Si Razor est sûr de gagner, ça te dirait pas de gagner un petit truc quand même? Vas-y, je t'écoute. Non, pas ici. Il y a trop de monde. Allons à l'écart. Ce que je vais te dire, ça doit rester entre nous. D'accord? Arrête ton cinéma. Tu me veux quoi? Bon, je vais être direct, V. Je sais que le sport doit être juste, mais la vie ne l'est pas. Pas vrai? Le manager de Razor veut que sa vedette en mette plein la vue. Il veut que toute la ville entende parler du carnage qu'il fait sur ce ring. Donc voilà. Décoche quelques coups de poing, oublie parfois de lever ta garde, et puis couche-toi tranquillement. Combien? Un paquet. Plus que tu toucherais en gagnant. Tout le monde a un prix, mais le mien est trop élevé. Tu vas te faire pilonner la gueule, V. Tu fais le mauvais choix, mais c'est toi qui vois. Allez, vaut mieux y retourner avant que les gens se mettent à jaser. Pardon, je peux vous parler? Ce sera pas long, promis. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de quelqu'un, Razor. Mon papa l'a affronté, il y a longtemps. Razor faisait ses débuts. Papa est tombé au troisième round. L'arbitre a arrêté le combat, mais Razor ne s'est pas arrêté. Il a continué à frapper papa pendant 3 minutes. Il a survécu. Ouais, je m'en doute. Et tu veux en venir où? Nulle part. C'est fini. Comme ma vie d'avant. Comme ma vie maintenant. Je veux juste que Razor soit puni pour ce qu'il a fait. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait à mon papa. C'est pour ça que je suis là, petite. Merci. Je croiserai les doigts pour vous. Salut, César. Tu devrais pas être en train d'installer un berceau? Ce sera à terme demain. J'ai le temps. Vic, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? Je suis venu voir le combat de l'année. Tout le monde parle que de ça. Me laisse pas tomber maintenant, d'accord? Bon, vous êtes prêts à vous battre? Quoi? Wow. Il en faudra pas plus pour que tu me baisses les pieds en appuyant ma pitié. Bien. On y va? Je suis prête. Bien. Mesdames et messieurs, citoyens de Night City, voici le moment de notre rencontre poids lourd. Le combat de ce soir oppose Razor Hughes et B. Applaudissez-les bien fort. Allez-y, rejoignez-les.
rejoignez votre coin. Hey, V, comment va le moral avant le combat? Bien, j'ai les points qui me démangent. On va pas loin dans ce sport sans un peu de confiance en soi. Mais tu sais, la pensée positive fait pas tout contre un adversaire comme Razor. Ça veut dire quoi? Ce type est un char, sérieux. Pour Hillskin en anneau vivre, amortisseur, tu lui cognerais sur le crâne à la masse qui broncherait même pas. Merci, ça motive. Attends, j'ai pas fini. Il a un point faible. Il s'est fait échanger des muscles abdominaux il y a une semaine. Et ils sont pas encore totalement implantés. Si tu frappes là, il le sentira passer. Merci, Vic. C'est noté. Vous êtes prêts à y aller? On sonne le gong? Ouais, allons-y. Allez, c'est parti. Que le meilleur gagne! Frappe-le dans le vide! Baisse pas ta garde si tu veux pas te retrouver au tapis! Arrêtez! Le combat est fini! La victoire et le prix reviennent à V, votre championne! Tu crois que c'est terminé? Que je vais te laisser m'échapper? Ça vaudrait mieux pour toi. Je crois pas que tu survivrais à une autre appelée. C'est pas fini entre nous. On se reverra. Demain ou l'année prochaine. J'en resterai pas là, tu peux me croire. À la prochaine alors. Je te conseille de t'entraîner d'ici là. C'est avec ça, ouais. Les meilleurs qui peuvent me battre. Ouais, ouais! À merveille, Razor a perdu! Combien? Un paquet! Au moins quelques milliers! Qu'est-ce que tu veux? Je suis une bonne actrice! Attends, une bonne actrice? Toute cette histoire sur ton père, c'était des conneries? Désolée, je vois pas de quoi vous parler. Faut que je file! J'aurais dû m'en douter.